Nubuget chapit poisson distribution part 2. Ben, septopix qui nous pour couvert, il y a deux septopix. Premier, c'est more exercises on poisson distribution. Ok, nous pour travailler ben une question que tu peux trouver, il y a un petit problème concernant nos paramètres lambda. Et deuxième septopix qui nous pour couvert, c'est expectation and variance of poisson distribution. Example 1. On average, the school photocopier breaks down 8 times during the school week, Monday to Friday. Alors ici, nous pouvons analyser une photocopy machine, combien fois il peut break down. Et l'on dit que sur average, il y a 8 breakdowns per week. Et ce week, c'est during weekdays, Monday to Friday. Assuming that the number of breakdowns can be modeled by a Poisson distribution, nous avons modelé sa situation là, number of breakdowns par une Poisson distribution, find the probability that it breaks down, partie A 5 times, partie B 1, partie C 8 times. Alors, qui est capable d'observer qui partie A l'india during a week? Ok, ça c'est a week. Mais partie B l'india once on Monday. La cause for one day. Et next, 8 times in a fortnight. Fortnight, c'est 14 nights ou 14 days. Ou soit 2 weeks. Ok? Alors là, vous trouvez qu'il y en a 3 situations différentes. Ici, nous mean, nous average the 8 per week. Mais, partie A, en la ligne demande 5 times in a week, once in a day, avec 8 times in a fortnight. Alors, nous pouvons besoin organiser une situation bien. Alors, partie A. Alors, nous dénotons X comme number of breakdowns, mais in a week. Alors, il dit qui X peut faire le poisson distribution, et ce paramètre lambda, ce mean, ce average number of breakdowns, il est 8, mais il n'est pas week. Ok, top? Alors, question qui nous demandait, find the probability that in a given week, number of breakdowns, il est 5. Alors, il peut la probabilité que X égale 5. Ne passe pas nos formules poisson distribution, il y a une I power négative lambda, lambda est 8. 8 power x, x de 5 over 5 factorial, nous gagnons nos réponses 0.0996 to 3 significant figures. Next, à cette partie B, il dit once on Monday. Veut dire on Monday. Nous l'en face, il n'y a pas une given week, il y a un day. Alors là, nous pouvons organiser notre travail bien. Nous dénotons une autre variable y, parce que x, c'est number of breakdowns in a week. Là, nous pouvons dénoter une autre variable in a day. Alors y, là, il peut représenter number of breakdowns in a day. Next. As is a mean, là nous pouvons get mean number of breakdowns in a day. Alors là nous faisons pas proportion. In 1 week, number of breakdowns li 8. Et 1 week c'est 5 days. Parce que nous disons week là c'est Monday to Friday. The 5 days nous pouvons 8 breakdowns. So average de temps là, hein? Parce que c'est pas 8, c'est average. So average de temps. Ici nous pouvons average. The 8 breakdowns in 5 days. Alors, in one day, parce que nous l'avons fait, c'est one day, il peut venir 8 divisé par 5 qui fait 1.6. Mais déjà, sur average, il peut 1.6 per day. Alors, ici, vous pouvez remarquer que mean number of breakdowns in a day, il peut faire 8 divisé par 5 qui vient 1.6. Alors, why pour follow poisson distribution, mais nous mean lambda, à cause de parce pour one day, nous pouvons modifier, il vient pour 1.6. Next question qui dit once. Alors, nous avons la probabilité y égale n. Et que nous gagnons par formule I power négative lambda, I power négative lambda, négative lambda, négative 1.6, fois 1.6 power n over 1 factorial. À la fin, vous pouvez comme ça. Vous trouvez qui réponse pour venir combien? Réponse pour venir 0.323 autant to 3 significant figures. Next partie C. Partie C, là nous pouvons pour fortnight. Là, nous sommes capables de faire une variable f. F, c'est le number of breakdowns in a fortnight. Alors, ici, mean, là, quand il pour venir, rappelle bien qu'in 1 week, number of breakdowns est 8. Mais fortnight, c'est 2 weeks. Ok? Parce que 14 days, ça va être 2 weeks. 2 semaines. De 1 semaine, est 8. De 2 semaines, average, là, pour venir 2 fois 8, pour venir 16. Alors, f pour faire le poisson distribution, là, nous mean lambda, est pour 16. Question, il y a 8 times in a fortnight. Alors, nous pouvons avoir la probabilité F égale 8. Nous remplaçons nos formules. Vous pouvez trouver qui réponse pour 0.0N202, 3 significant figures. Example 2. At a certain airfield, planes land at random times at a constant average rate of 1 every 10 minutes.
finds the probability that at least two planes will land in a period of 16 minutes. Alors, la première phrase, il cause an average rate, mais nous average, li combien l'India? Li 1. Ça veut dire 1 land, ça veut dire combien planes pour land, c'est 1 plane, mais l'India 1 in every 10 minutes. Ça veut dire ça 1 plane là, li in 10 minutes. Ça c'est in 10 minutes. Next question, je find the probability that at least 2 planes will land in a period of 16 minutes. Alors, nous dénote nous voyons c'est number of planes that land in a period of 16 minutes. Ok, alors, X pour faire le Poisson distribution. Ok, et nous mettons lambda qui peut être, vous avez fait bien attention parce que nous période c'est 16 minutes. Mais, l'India, one plane in 10 minutes. Ça veut dire que 10 minutes. Nous pouvons gagner un average. Nous average pour combien? Pour one plane. Average là, li one plane. Alors pour 1 minute, average là pour vin. Average pour vin. 1 over 10. Et next, nous l'emphase pour 16 minutes. Alors 16 minutes, nous average qui pour vin. 1 over 10 multiply by 16. Réponse pour vin. 1.6 plane. Alors, on average de 16 minutes, nous prenons 1.6 plane qui pour land. Et question, je find the probability that at least 2 plane. Rappelez bien que x ici pour prendre 0, 1, 2, il y a les mêmes. Alors, il peut demander probability x at least est greater ou equal to 2. Alors, ce équivalent, il y a n retire probability x less than 2. Il y a n retire probability x less than 2. Nous prenons probability x égale 0 plus probability x égale n. Alors, nous remplaçons nos formules. Nous pouvons i power négative lambda. Lambda, li 1.6. Fois 1.6 power 0 over 0 factorial. Plus i power négative lambda. Lambda power 1 over 1 factorial. Là, nous évaluons nos réponses finales. Nous pouvons trouver 0.475. Correct to 3 significant figures. Next, nous pouvons get expectation and variance of Poisson distribution. Nous servons à Greek letter là, ok, de Poisson distribution, on appelle ça lambda. Alors, X fait le Poisson distribution, nous connaissons qui nous mean, nous paramètre mean, dit lambda. Then, expectation ou mean of X nous gagne par lambda. Et variance of X aussi nous gagne par lambda. Alors, mu ou expectation of X ou mean nous gagne par lambda. Et variance aussi lambda. Ce proof n'est pas required. Et dans l'examen, nous pouvons provider tout ça de là. Alors, il est bien facile que nous n'avons pas appliqué. Alors, standard deviation, comment nous connaissons, c'est square root of variance. Alors, variance li lambda. Alors, standard deviation, li vin square root de lambda. Alors, nous avons un exemple. Given that X follows Poisson distribution with parameter lambda, li 16. Alors, première partie, li peut demander mean of X ou expectation de X. Nous allons par lambda et réponse pour vin 16. Deuxième partie, li demande variance of X. Et variance of X aussi, c'est lambda, et réponse pour 16. Next, troisième partie, nous demandons standard deviation of X. Standard deviation, c'est positive square root de variance. Nous avons positive square root, variance, nous gagnons par lambda. Nous avons positive square root de 16, réponse pour 4. Example 4. The number of accidents per day at a large factory follows a Poisson distribution with parameter 2.25. State the mean and standard deviation of the number of accidents per day. Alors ici, nous sommes capables de noter number of accidents comme nos variables. Alors X est number of accidents, mais les per day. Ok, alors X peut faire le Poisson distribution, nos paramètres lambda, ok, nos mean average number of accidents per day li 2.25. Alors nous expect pour gagner 2.25 accidents per day. Alors première partie de demande mean, ok, nous mean ou expectation de X li pour 2.25 li pour lambda même, ok, parce que mean li vin lambda. Next, deuxième partie, li demande standard deviation sigma li pour positive square root de lambda. Alors li vin positive square root de 2.25 qui réponse pour vin 1.5. Ok, ça c'est première partie même, quand il demande sigma, standard deviation. Next, deuxième partie. On how many days in November? Ok, November c'est 30 days.
would you expect the number of accidents to be within one standard deviation of the mean? Alors nous get pour un avant, ok? Nous avons une probabilité qui au valeur x number of accidents est pour within one standard deviation of the mean. Alors nous prenons one dimensional axis, nous mean ni lambda, one standard deviation from the mean, c'est un standard deviation qui capable à gauche et qui capable à droite aussi. Alors one standard deviation of the mean, ok? Qui capable vin lambda plus sigma, qui capable vin lambda retire sigma. Et lambda nous calculer, nous trouver lambda nous dessine les mean, nous dessine standard deviation, nous gagnons la première partie, nous mean les 2.25, retirer nous sigma les 1.5. Et si nous faisons 2.25 retirer 1.5, réponse vient 0.75. Et next, lambda plus sigma, 2.25 plus 1.5. Si nous faisons 2.25, nous ajoutons 1.5, réponse vient 3.75. Ok, alors, il peut dire qu'il est besoin within one standard deviation of the mean. Il est besoin within de ça l'intervalle. Ok, où valeur x est pour besoin in between 0.75 et 3.75. Ok, et qui est valeur x nous prenons in between? Rappelle bien valeur qui x prend, c'est bien integers 0, 1, 2, nous les mêmes. Alors, qui est integers qui est là entre 0.75 et 3.75, nous prenons la probabilité x égale n. 2 avec 3. Alors nous faisons probabilité x égale n plus probabilité x égale 2 plus probabilité x égale 3. Alors probabilité x égale n, il faut venir i power négative lambda, négative 2.25, la fois 2.25 power 1 over 1 factorial, plus probabilité x égale 2, il faut venir i power négative lambda, fois lambda power 2 over 2 factorial, et nous terminons avec i power négative lambda, lambda power x de 3 over 3 factorial. Alors nous évaluons, ok, nous servons nos calculatrices. Nous pouvons commencer par i power négative lambda fois 2.25 divisé par n factorial plus i power négative lambda négative 2.25 fois nous pouvons gagner 2.25 power 2 divisé par 2 factorial. Et dernier calcul qui nous donne, c'est i pareil, i power, négative 2.25 fois 2.25 power 3, divise par 3 factorial, mon évalué de calculatrice, réponse to 3 significant figures, 0.704. Ok, ça c'est qui probabilité, qui number of accident, qui peut entre, ce que je dis, within one standard deviation of the mean. Mais ça c'est for one day. Ok, 1D. Ok, nous allons faire l'évin en termes pourcentage, si nous faisons pas 100, ça veut dire l'évin 70.4%. Ça veut dire dans 1D, nous pouvons expecter qu'il 70.4% right, de ben, voiture pour faire accident, number of accident et pour autant. Ok, next, il peut être dans in November. Dans November, c'est 30 days. De 30 jours, ça c'est sur proportion 70.4%, mais de 30 jours, comment nous pouvons expecter? Alors, qu'il faut faire, nous faisons 70.4% de novembre dans 30 days, de ça 30 jours là. Alors, nous pouvons évaluer 70.4 sur 100 fois 30. Alors, si nous évaluons ça, divise par 100, nous fois par 30, vous trouvez qui réponse pour venir 70.4 divise par 100, nous fois par 30. Alors, réponse pour venir 21.12. Veut dire autant accidents qui nous peut expecter. Ok, à ça le number of accidents, nous pouvons besoin whole number. Alors 21.12, tu as nearest whole number. Réponse pour venir 21 accidents. Parce que nearest whole number c'est 21. Alors réponse pour venir 21 accidents pour deuxième partie. Next, nous pouvons get mode of the Poisson distribution. Ça n'est pas de syllabus, mais il y a une observation qui nous peut besoin faire. Alors, observe the following diagrams. Alors, premier, nous pouvons trouver que x fait le Poisson distribution. Nous avons ce vertical line graph, ok? Sac valeur x exode probabilité. Alors, nous sommes capables d'observer une affaire bien importante, c'est mode. Mode, what is the modal value of x, ou soit mode value of x? C'est valeur x qui est la highest frequency, mais ici nous pouvons cause en termes probability distribution. C'est ce qui est la highest probability, l'idée pour une mode. Alors, qui valeur x qui mode ici? Vous trouvez que 0 et n, tout les deux, la highest probabilité, sur so vertical line, les plus hautes.
Allo, li li pou vin mod. Mod di x égale 0 et x égale n. Next, ka x pe fe le poisson distribution paramètre li n.6. La ou pou trouve ki mod la in vin n. Highest probabilité, allo la din se ki na pli. Pli out, sa vale x sa ki vin mod. Ka x fe le poisson distribution min la li 2, ou pou trouve ki mod la pe vin n ek 2. Ka pou x fe le poisson distribution paramètre li 2.2, ou pou trouve ki mod la li pe vin x égale 2. Pour que paramètre là lit 3, mode là peut venir 2 et 3. Et que paramètre là lit 3.8, mode là peut venir 3. Alors, qui observe à ce qu'on est capable de faire? Qui nous mode lit prêt avec nous mine? Ça qui nous capable de checker. Get ici, que nous mine lit n, ici nous mine lit n.6, nous mine lit 2, the next case lit 2.2, next lit pour 3, et next lit 3.8. Alors nous observons, nous avons une mine, nous avons un coup de mode qui peut venir. Mode là ici peut venir 0 et n. Dans le deuxième cas, mode là vient n. Troisième cas, mode là vient n et 2. Next case, mode là vient 2. Next, mode vient 2 et 3. Et dernier, nous mode vient 3. Qui nous capable d'observer qui nous mode li prêt avec nos mines. Nous observons qui nous mode li prêt avec nos mines, bien prêt avec nos mines. Alors, ça, c'est une observation bien importante qu'il nous capable de faire de Poisson distribution. Alors, ici, il peut dire, the mode is the value of x that is most likely to occur, c'est qui est la highest probability, the one with the greatest probability. From the diagram, ça, c'est observation qu'il nous fait, modifique listée. Et qu'il dit ici, conclusion, if x fait le Poisson distribution mean li lambda, then the mode most likely value of x lies in the neighborhood of the mean lambda. Mode là, li trouve près, the neighborhood li trouve près avec nos mean lambda. And nous get an example, example 5, x fait le Poisson distribution mean là, li 8.2. Find the model value of x. Vous connaissez, x ce problème, c'est x quand il faut le Poisson distribution, c'est le min lambda, li 8.2, ben valeur qui x prend, li prend 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, noir les mêmes jusqu'à infinity. Ça, c'est tout ben valeur x. Si on veut que le mode value of x, vous avez un vertical line graph, pour ça, vous avez besoin d'un probability distribution table. Ok, pour tout ben valeur x qui est 0, 1, 2, ou les mêmes, vous avez lesquels qui est la highest probabilité. Mais il y a trop beaucoup valeur x de probabilité pour coder. Alors, nous avons besoin de service à notre qui nous fait observer là. Qui si tu as envie de gagner ton mode, il trouve prêt avec ton mine. Alors, tu as besoin de check ben valeur qui est prêt avec ton mine, tu peux finir coder. Alors, qui ben valeur qui est prêt avec 8.2, nous avons 7, 8, 9, 10, nous sommes capables de check ben valeur 6, nous sommes capables de check 7. Nous avons check 8, nous avons check 9 parce qu'il faut besoin pré avec le min même. Alors, n parmi sa man valeur x là, il faut venir mode. Alors, nous checkons lesquels. Nous avons lesquels qui ont la highest probabilité, man valeur qui est prêt avec le min. Alors, nous avons probabilité x égale 7 qui vient. Nous avons probabilité x égale 8 qui vient. Et nous avons probabilité x égale 9 qui vient. Alors, nous avons un groupe qui sont là qui ont la highest probabilité. Nous pas nécessaire check man l'autre valeur x parce que nous connaissons le mode qui est prêt avec le min à 8.2. Alors, nous organisons ici, pour venir i power négative lambda, négative 8.2, fois 8.2, power 7 over 7 factorial. Next, ici, pour venir i power négative 8.2, 8.2, power 8 over 8 factorial. Next, ici, pour venir i power négative lambda, fois lambda, power x over x factorial. Alors, nous évaluons pour chacun. Premier, pour venir i power négative 8.2, fois 8.2, power 7 sur 7 factorial. Si nous évaluons, vous trouvez que la réponse peut venir 0.136. Ok, next value ici, i power négative 8.2 fois 8.2 power 8 sur 8 factorial. Vous trouvez que la réponse peut venir 0.139. Et dernier là ici, i power négative 8.2 fois 8.2 power 9 divise par 9 factorial. Réponse peut venir 0.127. Alors, vous trouvez une valeur x qui est prêt avec nos mines. C'est x égale 8 qui est la plus grosse probabilité. Alors, nous model value of x, model value of x, les pouvins qui étaient, les pouvins x égale 8. Ça, c'est nous mode.